Bonjour à tous. Encore, c'est un moment de plaisir de partager avec chacun de nous et pouvoir, comme d'habitude, présenter notre point de vue ou notre regard selon tout ce qui peut toucher le quotidien, notre existence, le système et consort. Et aujourd'hui, nous sommes, je dirais, très touchés par ce sujet que nous allons partager avec vous concernant l'utopisme du temps. Voilà. Et dans ça, on pourra aussi toucher cette dimension de ce que c'est que la fin du temps. Alors, quand je parle d'utopisme du temps ou de l'existence, vous savez que tout ce qui est venu à l'existence ne vit pas, mais elle existe. Voilà. En dehors du Créateur, en dehors de celui qui a tout amené à l'existence, qui est vivant, le reste existe. Et nous savons aussi que, et nous l'avons même développé dans beaucoup de nos messages, que ce qui existe est limité à une durée de temps. Et en plus, il n'est pas maître de ses mouvements. Donc, tous ces mouvements, il est mis en mouvement sous instruction de la parole. C'est pourquoi vous vous souvenez, il est écrit dans certains livres que toute chose est venue à l'existence par la parole, parce que la parole est révélée et donc l'instruction. Donc c'est pourquoi ce qui existe, tout ce qui existe est présent, on dirait qu'il est limité, il est même parfois illusoire, utopique. Et quand vous écoutez certains maîtres cosmiques, ils peuvent vous dire par exemple que notre planète, par exemple, est un hologramme qui n'existe pas. C'est-à-dire c'est un hologramme solide qui est projeté, mais au fond, tout ce qui est là, c'est de l'illusion. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons par exemple de l'utopisme de l'existence, du temps, tu vois, parce que dans l'existence, on nous a beaucoup présenté que nous étions des individus ou une individualité qui prend ses décisions, qui décide surtout. Et c'est la raison pour laquelle certains se disent, j'ai décidé, j'ai pensé que, j'ai dit que, j'arrête que, tu vois un peu, tant que ce n'est pas ce que j'ai dit, vous voyez un peu. Mais au fond, pour mieux comprendre que on nous a trompé depuis le départ, qu'on décidait, qu'on est libre, c'est tout simplement avec cette analyse que j'ai eue tous ces derniers temps-ci. Est-ce que nous tous là, qui sommes ancrés dans le monde, y compris l'univers lui-même, est-ce que l'univers, vous pouvez l'appeler Satan, tout ce que vous voulez, l'univers lui-même, est-ce qu'il a décidé de voir le jour? Est-ce que moi, j'ai décidé de naître? Est-ce que toi, tu as décidé de naître? Est-ce que celui qui m'écoute là a décidé de naître? Qui peut dire, j'ai décidé de voir le jour, d'entrer dans l'univers? Qui peut dire, j'ai décidé d'avoir la couleur que j'ai? J'ai décidé de devenir fille ou garçon? Personne. Donc vous voyez que personne ne choisit et ne décide comment entrer dans l'existence. Vous voyez un peu? Et maintenant, ça fait en sorte que les libertés qu'on nous a vendues semblent être aujourd'hui menacées par le système, et ça suscite beaucoup de peur dans le cœur des humains. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, dans certains pays, même aujourd'hui jusqu'au Cameroun, on te dit par exemple que dans quelques jours, vous n'aurez pas la liberté d'aller voir, la liberté de marcher, la liberté d'aller au marché, la liberté d'aller à l'école. Vous voyez, tout ce qui avait été présenté comme des libertés. Parce que vous vous souvenez, on nous dit que c'est un droit ou un devoir que l'enfant a à l'école. Le père doit envoyer l'enfant à l'école. L'enfant a le droit à l'éducation. Ouais, il a le droit, donc c'est son droit. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que ce droit qui avait été présenté comme quelque chose de naturel, comme quelque chose que l'enfant est né avec, mais en une journée, on a décidé que ça fait plus de 2 semaines au Cameroun, les enfants n'ont pas pu à l'école.
Est-ce que vous voyez un peu? Une partie à l'école, on a fermé les écoles, on a fermé les beaucoup de choses dans certains pays en Europe aujourd'hui, même certains centres comme, sont fermés, c'est-à-dire même pour aller acheter à manger, ce n'est plus trop possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en train d'entrer dans la réalité du mensonge. On a fait croire aux gens que la fin des temps devait être la destruction des bâtisses. Et dans certains milieux, on disait que les bâtisses, c'est-à-dire les immeubles, vont tomber. Vous voyez, même dans la Bible, il est écrit que les disciples de Jésus lui demandent, mais vous voyez ces immeubles-là, et le maître leur répond que bientôt vous n'allez plus voir pied sur pied, tout va basculer, et ainsi de suite. Tu vois, mais en fait, cette fin des temps qu'on a longtemps présentée, il n'était que la fin d'un système de pensée. La fin d'un système de pensée qui est bien organisé, hein, qui est bien organisé. Et nous savons, comme je le disais tout à l'heure, que nous sommes dans tout ce que nous voyons dehors là, est illusoire et utopique. Donc ça fait en sorte que quand on te parle d'un temps, on ne s'est pas posé la question que quand on dit fin de temps, est-ce que, je me souviens dans les milieux religieux, on nous disait, moi la fin de temps c'est le jour que je vais mourir. On pensait comme ça. D'autres sceptiques disaient que la fin des temps, il y aura les tremblements de terre, tout va bousculer. Mais dans les Écritures, on te dit, il y aura les guerres que vous allez écouter, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les séismes. Est-ce que vous voyez un peu? Mais on te dit bien, ça ne serait pas la fin. Vous voyez un peu, ça ne serait pas la fin de quoi? La fin des temps. Donc, mais si vous vous souvenez, depuis avant 2001, on suit les bruits de guerre. On suit les tremblements de terre. On suit que le feu a brûlé des hectares de champs en Occident, dans des endroits. On suit les guerres tribaux qui se passent, les guerres tribales qui se passent entre les nations en Afrique. Voyez un peu, mais ce n'est toujours pas la fin. Mais aujourd'hui, avec une pandémie mondiale, on t'annonce la fin. Parce que pour certains, beaucoup savent qu'on te dit, bon, on va vous enfermer pour 2 semaines. On vous dit on va vous enfermer pour 2 mois, après ça c'est peut-être pour 3 mois. Mais et puis on te dit aussi, comme je suis dans mon téléphone ce matin, quelqu'un te dit, oh Seigneur s'il te plaît, que la fin du Covid-19 arrive bientôt. Oh Seigneur s'il te plaît, que la fin du Covid-19. Bon, quand tu vois quelqu'un dire que la fin du Covid-19 arrive bientôt, ça veut dire qu'il supplie déjà pour la solution. Tu vois, pour lui, comme on avait construit à l'extérieur, comme on avait dit que toutes vos libertés, c'est à l'extérieur. Parce que quand je suis libre d'aller à l'école, l'école à l'extérieur, je suis libre de faire ce que je veux, qu'est-ce que tu faisais? C'est parce que tu pouvais aller boire dans un bar. C'est parce que tu pouvais voyager comme tu entends. C'est parce que tu pouvais aller où tu veux. Tout était à l'extérieur. Mais personne n'avait jamais pensé que je suis libre de retourner en moi-même. Me poser la question, qui suis-je? Tu vas un peu méditer. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que l'être humain, en tant que programme de société, a tellement peur de se retrouver seul pour aller au fond de lui, voyager à l'intérieur de lui. C'est pourquoi quand on a dit on va arrêter ou cessation des activités pour un temps, tout le monde est stressé, les gens sont stressés, les gens sont perturbés. Pourquoi? Parce que justement nous sommes à la fin des temps. La fin des temps n'est pas la destruction des immeubles. La fin des temps n'est pas la destruction des routes, n'est pas la destruction de l'édifice. Du cadre structurel construit à l'extérieur. Mais la fin des temps, c'est quoi? C'est la fin d'un système qui a été pensé, dans lequel les programmes sociétaux fonctionnaient à l'extérieur. C'est pourquoi ça ne veut pas dire que, comme les dames qui disent, Seigneur, que ça soit la fin du Covid-19, qu'après la fin de ce confinement, l'école va plus reprendre. L'école va reprendre. Tout va reprendre. Mais dans un autre regard, tu vois, l'économie va reprendre, mais avec des restrictions, avec, je peux appeler des nouveautés aussi, est-ce que tu ne vas pas appeler ça comme ça, pour que les gens le comprennent bien, avec des nouveautés, mais la finalité c'est quoi? C'est que le système a pris une autre tournure, vous voyez un peu, pour attendre encore une période bien définie, pour qu'on parle encore de la fin des temps. C'est pourquoi dans un documentaire, je pense à un documentaire que je regardais à la télévision, où on parlait d'un monsieur, on annonçait les fins du monde. Et c'était un monsieur qui allait, il se retirait depuis qu'il vivait dans une grotte, et il annonçait
qu'il y aura la fin du monde, il y aura ceci, il y aura cela. Vous voyez un peu, non. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que cette pandémie qui est répandue à l'extérieur, c'est une façon, à partir d'elle, on s'appuie sur elle, parce que la pandémie en elle-même n'a aucun problème. L'information qu'on a collée derrière, qui est problème, c'est à partir de cette information qu'on glisse pour organiser la soi-disant fin du système, qui est pratiquement la fin du monde. Donc c'est un peu ça. Je voulais demander, poser la question, savoir est-ce que le discours du pape, le discours que le pape avait fait, a quelque chose à y voir avec ce qui est en train de se passer actuellement, son discours pour réduire la population mondiale. Bon, de toute façon, ce matin, après je faisais mon sport, j'ai rencontré plein de Camerounais. On s'est retrouvés là dans un cafétéria et on prenait une tasse de café ensemble et on partageait. Justement, cette question est revenue sur la réduction de la population du monde. Alors, j'ai répondu à mes frères Camerounais que quand on parle, par exemple, de réduire la population du monde, elle ne commence pas avec cette annonce-ci qui est faite. Hein. Et aussi, quand vous regardez tous les jours, au fur et à mesure que les événements tels que le terrorisme qui s'est passé, tels que les voyages massifs des populations qui convergeaient vers le nord pour aller chercher le soleil, comme on le dit couramment en Europe, ils se sont noyés dans la mer. On a vu des famines dans certains coins du monde. On a vu des tremblements de terre, justement, des terrains qui se sont... il y a eu des éboulements qui ont tué les gens. Donc, tout ça fait partie de cette programmation. Alors, mais ce n'est pas là qui est important. Ce qui est important pour moi, c'est que ne ratons pas. C'est-à-dire que ne perdons pas de vue que tous ceux qui pensent dans des lieux telluriques, dans des endroits secrets, dans des messes noires, et qui s'organisent pour dire nous allons réduire la population du monde, ils sont conscients d'une chose, qu'ils sont limités aussi. Je répète, tous ceux qui s'appellent maître du monde ou maître cosmique, qui pensent organiser l'existence des autres, ils sont conscients d'une chose dont la population n'est pas consciente, c'est qu'ils sont eux-mêmes limités. Ça, c'est la première chose. Voilà pourquoi, à l'entente du sujet, je disais tout à l'heure, personne n'a décidé de naître dans que dans l'univers. Donc, même si tu es un maître cosmique, que tu sois le pape ou que tu sois n'importe quoi, ce qui est sûr, que tu es conscient d'une chose, que tu ne connais pas quand tu pars. Et tu ne savais même pas quand tu venais. Tu n'as même pas su quand tu venais. Donc ça veut dire que toi-même tu es limité. Mais le créateur, celui qui organise son monde et son univers, sait bien quand il est venu. C'est-à-dire, sait que le pape devait entrer. Sait que tel composant devait entrer, devait jouer le rôle de pape, le rôle de ceci, le rôle de président. Est-ce que tu comprends? Donc, la réduction de la population, je pense que c'est un rêve. Pour certains maîtres cosmiques, je dis, moi je pense fermement que c'est un rêve qui ne peut pas être possible. Tu sais pourquoi? Parce que le mouvement et l'être ne leur appartiennent pas. Tu vois? Et comme la pensée, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, hein? Les gens sont libres, comme je le dis, ils sont aussi trompés qu'ils sont libres de penser, mais au fond, on ne leur dit pas qu'ils sont libres, ils peuvent être, ils sont limités dans la pensée. Est-ce que tu comprends? Ils sont limités dans la pensée. Je te dis, par exemple, que tu te souviens, il y a eu dans certains endroits du monde, même dans l'histoire du monde, des empires qui se lèvent et qui pensent que, comme ils se sont élevés, il faut éliminer d'autres royaumes. Il y a eu des grandes conquêtes, il y a eu des grandes guerres. Ils disent, on va éliminer les populations. Penser éliminer des êtres humains n'est pas un projet du pape qui date d'aujourd'hui. C'est un projet, ce sont des pensées cosmiques qui traversent les êtres humains. Tu comprends un peu? Et comme ils ne sont pas régénérés, ils laissent ça sortir comme ça. Et si je posais la même question au pape ou à tous ceux qui ont pensé comme ça, quand vous voulez réduire la population du monde, vous vous comptez parmi ces gens que vous allez réduire? Ce qui suit va me dire non. N'est-ce pas?
quand vous voulez réduire la population du monde, ceux avec qui vous allez rester, vous êtes sûr qu'à un moment, eux ne vont pas vous ennuyer? Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand tu vas dans la Bible, le projet de réduire une population, il est dans la Bible depuis. Pas réduire. Tu vois, quand on te dit, quand ils sortent d'Israël, quand ils sortent de l'Égypte, l'Éternel dit, tous ceux qui ont 20 ans en montant, on va les bannir. Tu comprends? Donc, quand vous suivez, quand vous regardez la Bible minutieusement, c'est un plan dans lequel on tire beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends un peu? Pour dire, on va balayer ces gens-là. Bon, maintenant, ces gens qu'on a balayés là, est-ce qu'on a, pourquoi l'Éternel ne peut pas dire que si c'est l'Éternel, déjà, on sait que l'Éternel ne tue pas les gens. Si c'est pourquoi il n'a pas dit, je balaye alors tout le monde? Parce qu'il y aura toujours des naissances. Je voulais savoir, parce que quand on regarde avant, comme on dit, quelqu'un m'avait dit, il y a 100 ans, il y a eu des maladies aussi. Dans les, un peu comme en France, il y a eu. C'était quoi la maladie qu'on la avait peste. Dans, voilà, la peste. La peste était mon. Enfin, c'était une pandémie. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ce n'est pas le même scénario qui est en train de se répéter? On le disait le Shabbat du passé, que. Après chaque. Justement, c'est ça le grand plan cosmique. Dans le grand plan cosmique, on parle de fin des temps. C'est justement la fin d'un cycle. Tu comprends un peu? Donc, un cycle est bouclé parce que tu sais que l'univers sait qu'elle doit se renouveler. Tu vois? Donc, pour eux, 100 ans, il faut renouveler toutes choses. Tu comprends un peu? Non? Le système éducatif déjà est caduque, tout ça. Ça fatigue. Les gens qui font dans l'enseignement peuvent te dire le système, et surtout celle du Cameroun, c'est un système qu'il faut fondre. Tu vois un peu? Voilà. Quand tu vas en Europe, ceux qui font dans l'éducation te disent que le système éducatif est fatigant. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le e-learning. Le e-learning, apprendre à partir à distance. Mais c'est vers ça qu'on converge. Même ceux qui font l'école normale au Cameroun, ils ont des formations pour le e-learning. Mais c'est un secteur qu'on avait. On a fait la formation à l'école normale. Mais quand nous venons sur le terrain, on ne l'a pas appliqué. L'État n'a pas permis tout qu'on a pris le e-learning. Mais aujourd'hui, on est en train de dire, avec le Covid-19, la CHIV doit présenter des programmes de CM2 et de classique à la télévision que les enfants aillent voir. OK, que les enfants ne te voient. En même temps, on dit, il y a un lien Internet qu'il faut aller et que les enfants apprennent dessus, ceux qui vont présenter les examens. Donc, nous convergeons vers quoi? Vers la 5G, où tout serait numérisé. Et quand les choses sont beaucoup plus numérisées, ça veut dire que le contrôle de la masse devient facile. Donc, la fin de temps que dans laquelle on est en train d'amener cette population, c'est pour un contrôle massif. Est-ce que tu comprends? C'est ça l'objectif. C'est pour un contrôle massif parce que si tu prends le 1720, 1820, 1920, 2020, ça fait 4 décennies. Donc tu vois bien qu'en 2020, on juge qu'il faut davantage plus de contrôle. Tu comprends? Il faut refaire le système économique, il faut refaire le système éducatif, il faut refaire le système social. Tu comprends un peu? Et pour cela, comme la technologie est en train de, pas évoluer, mais d'évoluer, de muter, d'aller où elle va, il faut à tout prix que le contrôle de la population soit davantage plus accessible. Et je disais aux gens avec qui on prenait un café ce matin, c'est que vous pensez qu'on n'a pas toujours contrôlé l'humain à distance? Il me dit, mais comment? Il dit, mais on a contrôlé l'humain par sa construction identitaire. L'humain est haineux, l'humain est jaloux, l'humain est envieux, n'est-ce pas? L'humain, et quand on dit patriotisme, patriotisme, c'est pour créer quoi dans l'humain? C'est pour créer justement les partis pris. Il te dit, je suis fier d'être français. L'autre te dit, je ne suis pas un Camerounais parce que le Camerounais est limité. Moi, je suis français, je peux voyager dans 120 pays ou 130 pays. Donc, c'est ça. Donc, l'autre te dit, parce qu'il n'est pas Camerounais, nous ne l'acceptons pas. Et quand tu reviens au Cameroun, on te dit, on entre dans le tribalisme. On détecte et dit, je suis ici, je suis ça. Donc tu vois, on a toujours contrôlé. Et quand un État sent déjà qu'il veut contrôler sa population, il balance le germe du tribalisme dehors pour contrôler. Jusqu'à ce que dans les États aujourd'hui, comme c'est du Cameroun, il faut mieux diviser pour régner. Il faut mieux diviser. On divise les gens par quoi? Mais par leur structure identitaire. Tu comprends? Parce que celui qui est construit
dans le regard du Très-Haut, il n'a pas de parti pris. N'est-ce pas? Il n'y a pas de haine en lui. Il n'y a pas de jalousie en lui. Il n'a pas un poids, deux mesures. Donc, faites votre fin de temps, mais lui, il est en dehors de votre programme. Il est en dehors de votre programme, puisque lui comprend bien ce qui se passe. Il prend sa position. Est-ce que tu vois? C'est de ça qu'il est question. Donc, le contrôle de la population actuellement, on ne veut plus rester seulement dans sa structure identitaire, parce qu'on s'est rendu compte que l'être humain est devenu très corrompu tous ces derniers temps. Tu peux le vérifier avec des partis politiques, tout ce qui se naît lors des élections. Pour 100 francs, quelqu'un peut entrer avec l'enveloppe de Y et il arrive dedans, lui donne 100 francs, il met l'enveloppe de Z. Tu vois que vous ne le contrôlez plus. On peut le manipuler avec des éléments extérieurs. Bon, maintenant, pour la sécurité aussi, quelqu'un peut te dire, nous, on le voyait dans un feuilleton de Jack Bauer, où tu vois, on te dit, c'est là un membre de la cellule antiterroriste qui glisse les formules de la satellite américaine à l'ennemi, entre guillemets. Tu comprends un peu? Donc, maintenant, si tout le monde est pucé, ça veut dire que ses mouvements, peut-être même sa pensée, ses envies, on peut contrôler ça. C'est ce qu'on cherche. Mais, comme je le dis toujours, ce genre de programme ou ce genre de rêve pharaonique ne peut pas être à 100%. C'est eux-mêmes qui nous ont dit à l'école. Qu'est-ce qu'on nous a dit à l'école dans les ADA? On nous a dit que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, non? Mais c'est ce qu'on nous a dit à l'école. Donc, comme ce sont des humains et ils sont limités, l'œuvre de leur main, de leur pensée, de leur, les résultats de leur culte noir ne peuvent vraiment pas aboutir parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il y a des coins du monde entier, même en Europe, que la technologie n'y arrive pas. Tu comprends pas? La technologie n'arrive pas. Donc, les gens sont comme ça. Maintenant, et autre chose, c'est que quoi? Il y a ce problème de consentement. Tu vois, l'être humain est une boule d'énergie. Et il a une chose en lui qu'on ne peut pas enlever, le consentement. Si, par exemple, je consens que vous me contrôlez, c'est pour vous que le contrôle peut marcher. Mais si vous me mettez même la votre puce et que je vous ai pas donné mon consentement, tu m'en veux, vous ne pouvez pas y arriver. Vous allez faire ce qu'on appelle, m'amener à faire une soumission sans volonté. Une soumission sans volonté. Parce que c'est le consentement qui permet que tu aies le contrôle sur moi. Si je ne consentis pas à ce que tu dis, je peux même te suivre. Je peux être avec toi, mais je ne suis pas là. C'est-à-dire, je peux être avec toi présentement, c'est-à-dire sous la forme physique, mais sous la forme vraiment moi, là, l'être intérieur, je ne suis pas là. Et c'est ça qui a fait ce qu'on appelle, on parlait de deux visages, de traître, de tout, parce qu'il n'avait pas consenti. Et je voulais savoir comment gérer cette nouvelle au quotidien. Faut-il suivre les informations et essayer de discerner des mensonges dedans, ou bien faut-il se couper complètement des réseaux sociaux et vivre cette information-là dans le calme? Et la première des choses, c'est que l'être humain est un être d'information. Ouais. Alors, s'il vibre bas, c'est-à-dire qu'il est dans la compréhension du bas astral, les informations, c'est une forme d'alimentation pour lui. Ouais. Tu vois, c'est là où il tombe dans le piège. Parce qu'il consomme, il est comme un omnivore. Ouais. Tu vois, comme disait quelqu'un, un tourivore. Il consomme tout. Tourivore, il consomme tout ce qui vient dans tous les sens. Il ne peut pas lire entre les lignes. Ouais. Bon, maintenant, celui qui vient d'en haut, il suit l'information, mais il peut lire entre les lignes. Il remet l'information que vous donnez. Tu comprends? C'est pourquoi tu vois, quand on te présente, je parle peut-être pour ceux qui lisent la Bible parfois, quand on te parle du Christ, quand il entre dans le monde, il trouve le système, hein? Il trouve ce même système qui est en train d'embrouiller les gens. Donc il trouve ce système, et dans le système, on dit par exemple que on ne peut rendre gloire qu'à César. Mais lui, il ne croit pas ça. Tu vois un peu, on dit par exemple que Hérode est le patron. Après César, c'est Hérode qui contrôle la surface dans laquelle même le Christ bougeait. Jérusalem et consort. Mais lui, il ne croit pas à Hérode. Ce n'est pas qu'il ne le respecte pas. Ce que Hérode dit, ça ne l'influence pas.
puisque comme il est information, son information, il n'ignore pas la source de son information. Mm-hmm. Est-ce que tu comprends? Et je te rappelle que c'est l'information qui est équilibre, c'est l'information qui décrit aussi. Donc si l'information dont tu reçois, elle vient uniquement du monde et que c'est ça qui te mettait davantage en mouvement, tu vas dépérir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens sont en train de dépérir. Quand on dit par exemple que quelqu'un va rester à la maison pour un mois, je ne veux même pas parler trop du Cameroun parce que je sais qu'au Cameroun, quand tu vas dire à quelqu'un qui va rester à la maison pour un mois, une maman qui part, elle a son chambre derrière la maison. Avant même que vous lui disiez de rester à la maison, elle ne restait jamais, elle était toujours au champ. Elle a toujours vécu entre son champ et sa maison. Tu vois, peut-être en Europe encore, tout est encore tellement structuré que les gens n'ont que leur maison et le boulot. Et le boulot aujourd'hui, les entreprises sont en train de fermer. S'il n'est que information sociétale, tu vois bien que la seule issue qui lui reste, c'est de supplier qu'on donne l'antidote. Est-ce que tu comprends? Je te coupe pas. Je voulais savoir, mm-hmm. actuellement, quel est le rôle des églises dans ce genre de situation? Parce que si on regarde bien les assemblées, ils invoquent Dieu, comme mm-hmm. on dit, et ils sont là pour aider la population. Mais je me suis rendu compte que même eux-mêmes, ils ont mis les cadenas. Mais ce n'est même pas eux qui ont mis les cadenas, c'est le système qui a mis le cadenas. Et là, c'est où je parlais justement de la fin des temps. Tu vois, les assemblées ont prôné la fin des temps et quand ils te présentent ça comme un film hollywoodien. Oh, ben, il y aura ceci, il y a des scorpions qui vont sortir, qui vont prendre les formes humaines comme dit la Bible pour détruire les gens. Ça, c'est Hollywood qui monte ce genre de film. Mais quand on voit bien avec ce que la lecture que moi je vois là, c'est la fin d'un système qui est en train d'être annoncé là. Tu comprends un peu, non? Et la fin, ce que moi j'ai aimé dans cette information du corona, du COVID-19 là, n'est-ce pas? C'est cette dimension qui a révélé au monde entier son vraie identité. Parce que c'est ce que certaines personnes ne voient pas. Ça a révélé la vraie identité de toutes choses. L'identité de ce que tu appelles l'église. On comprend bien que cette église-là, c'est toujours le gouvernement. C'est le système. C'est tout un maillon du système. Ce qu'on appelle l'économie, c'est un maillon du système. Ce qu'on appelle l'éducation, c'est le système. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle les rapports humains, qu'on appelle l'humanité, c'est le système qui a conçu ce qu'on appelle amour dans le cœur des humains, ce qu'on appelle fraternité, famille dans le cœur des humains, puisque on a vu ce matin quelqu'un qui se marie, la femme porte le masque, le masculin porte le masque. On voit aujourd'hui dans des foyers, dès que le monsieur était nu, la femme fuit, ou c'est la femme qui c'est l'inverse. Donc tu comprends bien qu'il n'y a jamais eu amour. N'est-ce pas? Il n'y a jamais eu vraiment ce qu'on appelle, on disait notre économie, et je me souviens, c'était chef d'État qui dit nos banques sont sur liquidité. Donc que l'argent est en flux. Mais tout un matin, on s'est levé, on a mis l'information dans la tête des gens. Chacun se méfie de chacun. Hier, on était ensemble, tu donnes l'argent à quelqu'un, il prend avec les gants. Mm-hmm. Et quand il finit, il lave ses mains. Tu comprends pas? Mais même l'argent leur fait peur aujourd'hui. Je dis même l'argent se méfie des papiers. Que tout le monde, certains ont vendu leur père, leur mère, leur femme, leurs enfants pour accumuler. Ils ont peur de cet argent actuellement. Donc tu vois qu'il n'y a plus de sécurité quelque part. Pourquoi? Parce qu'on est en train de détruire, c'est ça que j'appelais l'utopisme de l'existence ou du système. On est en train de détruire dans l'être humain là tout ce qu'on lui avait donné comme béquille, comme vrai. Un matin on lui dit c'est faux. Un matin on lui dit même c'est ça quoi, il croit même qu'il le rend malade. Mm-hmm. Et il se met la main sur la tête et dit mais on va recommencer par où? On va faire comment? Alors, quand tu vois même le confinement, mm-hmm. chacun qui entre là, tout se dit seulement mais cette histoire, si Dieu, ça va finir quand? Et tu sais ce qu'ils attendent? Que les mêmes gens qui les ont enfermés les disent que c'est fini. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Voilà pourquoi certains, avant que comme je le disais, cette levée, cette sanction, ou bien cette annonce qui va venir annuler que le monde est. Le COVID-19 est en train de sévir, beaucoup vont mourir, vont partir de leur corps avant qu'on enlève la sanction. Tu comprends un peu? Beaucoup ne prendront même pas de vaccin, ils vont mourir. Beaucoup vont dépérir.
Et certains, même bon, tu vois, il y a des couples qui n'ont jamais eu le temps de rester à la maison, papa et maman et les enfants. Ça serait des bagarres. Parce que c'est deux énergies, deux forces qui n'ont jamais pu, ils n'ont pas eu la possibilité de cohabiter comme ça. Ils se voient seulement la nuit. Donc, ils vont, c'est où on découvre même l'autre, chacun se découvre. Tu vois, donc, ceux qui pensaient qu'en dehors de l'école, on ne peut rien faire. Mais ils se rendent compte qu'on peut fermer l'école. Même les médecins, aujourd'hui, sont plus malades. Ils ont peur de celui qui vient à l'hôpital que du lion ou du serpent. S'il voit un lion et il voit quelqu'un arriver à l'hôpital, il a peur de celui qui entre à l'hôpital, qu'il dit seulement qu'il chauffe. Il a déjà plus peur de lui que le lion. Donc, tu comprends bien que... Est-ce que le médecin à l'époque avait peur du malade? Le médecin, quand il voyait le malade, savait que lui, c'est lui qui a la solution. Ah, non. Mais maintenant, aujourd'hui, le médecin voit le malade, il a peur. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'on a renversé tout. C'est-à-dire tout ce à quoi les êtres humains avaient mis leur confiance. Les êtres humains s'étaient construits. Les êtres humains avaient dit que non, ça c'est notre sécurité. C'est vrai. Mais on leur dit c'est faux. Ou alors on leur dit aujourd'hui, il y a un petit virus qui est en cela et qui a saboté ça. Regarde par exemple. J'ai eu une sœur qui m'a envoyé, par exemple, les statistiques du monde, des composants du monde qui décrut. Mais ton Covid machin là, ton Covid-19 là, il est le dernier, hein? Il est le tout petit. Il n'a même pas, c'est-à-dire, il n'a même pas de force pour tuer, comme par exemple le cancer. Le cancer massacre les gens énormément dans le monde. Après le cancer, nous avons smoking, c'est-à-dire la cigarette, les gens qui fument. On a plus de décès, les gens qui fument, que ce que le Covid peut faire. Est-ce que tu comprends un peu? Mais on n'en parle pas. On ne fait pas de ça. Pourquoi? Et je vais te dire pourquoi. On te dit, par exemple, l'alcool. L'alcool tue plus de gens. Après l'alcool, on a le sida. Après ça, on a les accidents routiers. Après les accidents routiers, on a les suicides. Même les gens qui se suicident est plus grave que ce que le Covid peut faire. Après ça, on a le malaria, c'est-à-dire le palu. Le palu tue les gens en Afrique. Seulement les petits piqûres de moustiques, ça massacre des gens. On n'en parle pas. Après, maintenant, le malaria, on a le common cold. Common cold, ça veut dire la toux naturelle. Quelqu'un peut tousser tout et tout. La toux tue. Mais après ça, maintenant, vient le corona ou le Covid-19, qui est le dernier, le tout petit. Il ne tue pas comme tous ces gens que j'étais cité là. Alors, pourquoi on a donc fait ça? Pourquoi le Covid est devenu célèbre? Je peux dire ça comme ça. Mais parce que ceux qui ont conçu ce qu'on appelait le temps, ce qu'on appelait le monde, ce qu'on appelait le système. Mais ils ont décidé juste de prendre le plus petit. Comme dit la Bible, les choses viles. L'Éternel prendra des choses viles pour confondre les sages. Ils ont pris ce qui est vil. Et tu sais ce qu'on a fait? On a juste collé l'information derrière. Que non, ça va tuer le monde entier. Ouais. Tu comprends? Oui. Mais, et je disais à quelqu'un au cafétéria ce matin que même, regardez, on vous donne les apparents, les signes extérieurs de ça. On te dit si quelqu'un est ténu, il doit faire attention. Vous devez faire attention. Si quelqu'un tousse, si chaud, il dit mais, ténu, c'est des choses. Tu peux passer là juste l'odeur de la poussière, ça te fait ténu. Moi, l'odeur d'une rouge me fait ténu. Donc quand je veux sentir l'une rouge, j'ai ténu, on va dire j'ai le Covid-19. Non, soyons un peu quand même logiques. Tu comprends? Éternuer, c'est naturel. Parfois, on te chatouille, mais tu éternues. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, des symptômes simples qu'on sait que tout le monde a ça. Tu sais, tu peux boire, tu peux abattre.